Alors, les projets Commodore et Retro Machine ne s'arrêtent pas uniquement à des vieilles Retro Machines, mais aussi à des machines plus modernes, enfin, quoique elles datent déjà. Ce sont d'anciens Raspberry Pi version 1.2 et des Raspberry Pi B, donc des nano-ordinateurs que l'on considère là maintenant largement dépassés. Et le but ici, ça va être de monter un cluster. Donc il y a une belle collection de Raspberry Pi et essayer de voir ce qu'on va pouvoir tirer d'un cluster réalisé avec ces machines déjà plus anciennes hein, quand même. Bon, elles disposent malgré tout de suffisamment de mémoire et également de ports GPIO, de l'entrée sortie USB et pour certaines HDMI, l'autre micro HDMI. Enfin, disons que l'intérêt, c'est surtout la puissance de calcul et voir ce qu'on pourra en sortir. Bon, je dirais que dans chaque boîte, il doit y avoir une trentaine de Pi. Donc, on pourrait envisager dans un premier temps un cluster avec 50 Pi. Bon, ce qui manque là pour le moment, c'est avant tout, le schéma de montage, il est relativement rudimentaire, mais c'est du matériel de câblage réseau, des switches en Ethernet, parce qu'on ne va pas essayer de passer à du 100 mégabits, mais du 10 mégabits, ce serait bien, et surtout une armoire de stockage pour pouvoir les monter dedans avec un minimum de ventilation et voir franchement ce qu'on pourrait arriver à faire avec de telles petites machines, ce serait quand même assez amusant. Bon, j'ai de la place pour pouvoir y stocker une armoire de type informatique ou type ordinateur et commencer à assembler quelques-unes des pièces, à les valider et puis commencer à dupliquer. Ce serait quand même génial quand même, non? Vous ne trouvez pas? Allez, bon amusement!